tout d'un coup, il y a des Japonais qui disent ouais, il est grand, hein, ce monsieur Cornu. Enfin, il traduit par Serge, parce que moi, je ne comprenais pas. Et puis, je dis ouais, je sais que je suis grand. Je me suis rendu compte, avant, j'étais dans les urinoirs à côté, là-bas. Et puis, j'urinais, puis à côté de moi, il y a un petit Japonais qui me regardait, puis il faisait tout des grimaces. Je raconte ça à Serge, puis j'ai dit, et puis, tout d'un coup, je regarde le petit Japonais, là. Et puis, il faut savoir. Je ne sais pas, mais ils sont assez complexés parce qu'ils sont petits. Mais moi, je ne peux pas savoir. J'ai dit, ben, je regarde le petit Japonais, puis il me regarde et puis c'est tout des grimaces. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais ça va, ça joue, il y a des problèmes. Le petit Japonais, il me regarde, il me dit, ça gicle. Et puis, je trouvais ça drôle. Puis je dis, Serge, raconte. Et il l'a raconté, ils n'ont pas ri. Et puis nous, mais ils n'ont pas compris, raconte encore une fois. Ah, il était tout mal à l'aise, hein. La bonne couleur, il était tout rouge. On avait quelques points dans le retard, mais ça fait rien. Nous, on a bien ri. Hein. Ah oui. Bon. Je t'ai pissé, il n'avait pas plus de japonais. Je vous laisse. Bon appétit. C'était pas prévu, hein, que je raconte des histoires, hein, dans le fond, là, mais dans la maison. Aujourd'hui, on prépare quelques saisons.